âgé de 23 ans, qui est un exemple pour nos jeunes Guyanais, puisqu'aujourd'hui, il a décidé de rejoindre Paris pour continuer ses études, car il a un but et il va nous en parler. Alors, Lewis, bonjour. Bonjour à tous. Alors, au point de vue des études, tu as décidé de venir sur Paris. Oui. On parlait justement, il n'y a pas très longtemps, en sciences politiques, des études en sciences politiques. Oui, c'est ça. Pour pouvoir te lancer en politique. C'est ça. D'accord. Plutôt en diplomatie, mais oui, la politique m'intéresse énormément. D'accord. Alors, on parlait justement avec Sylvia, de Priscilla et tous les autres artistes. On parlait de nos jeunes en Guyane. Oui. Tu fais partie des jeunes de Guyane. Là, tu as fait des choix au point de vue études. Quel message t'aimerais passer, parce que tu as un exemple quand même pour les jeunes, quel message tu aimerais passer à tous nos jeunes Guyanais justement? Il faut revenir en Guyane parce qu'on a besoin de vous. On a besoin de vous pour faire que la Guyane se construise et pour que la Guyane ait une meilleure image d'elle au sein de son territoire, d'une part, et d'autre part, à l'international. C'est important, c'est un beau message. Et nos Guingamps aussi doivent te suivre, doivent donner les bons exemples pour nos jeunes, et c'est ce qu'elles font au quotidien. C'est ça. La Guyane ne te manque pas? Non. Non? Si. Ah, quand si, même. Ça me manque, mais je sais pourquoi je suis parti. Voilà, oui, ça c'est important. Et j'y reviendrai. Évidemment. Alors aujourd'hui, on te retrouve au ministère de l'Outre-mer pour ce 21 juin, pour la fête de la musique. Qu'as-tu pensé du plateau artistique? Excellent, je viens d'arriver, mais à ce que j'ai entendu, c'est très bien. Oui, tu aimes la musique? Absolument. Alors c'est parfait. En tout cas, je te remercie. Merci à vous. Et puis bon courage et surtout bonne continuation dans ta réussite. Merci Lewis. Merci à vous.